This is Vincent. On paper, he is a polar explorer. But really, he likes to play in a giant freezer. Sorry, ladies, he's taken. And this is me. My name is Lea. I am more of a water person. I like to slide on waves on my magic carpet and bring my own catch for dinner. As we know, love is a fine balance. Between me and Vincent, our balance comes down to supporting each other to follow a passion-driven lifestyle. For a few years, we've been imagining an adventure that would combine both mountain and ocean. This is a story of what that dream looks like. At the end of the Arctic winter in Northern Iceland, we are going on a ski expedition, pulling our sleds to a remote bay where we hope to find waves to surf. Plus ou moins repéré, deux endroits qui m'ont assez intéressants pour combiner ski pour aller chercher une vague, c'est ces deux vallées là. Celle-là, en fait, un peu décalée, ici voilà, qui enchaîne ici, cette vallée là. Donc elle est entourée de montagnes. Hein. Ouais, et celle-là. Et celle-là, qui part d'ici, qui va là. Extra. Et ces deux vallées, les deux, elles mènent directement à une plage. Là, il y avait une pointe ici. Allez, une pointe là. Ah, c'est super bien exposé. Ouais, exact. Looks good? Looks good! Going self-supported for 10 days and 40 miles means anticipating and packing accordingly. Pulling all we need in our sleds gives us freedom to savor each moment. Our minds are empowered to roam free and the experience to resonate extensively within us. Our human-powered approach is rewarding us by a rare connection with nature, ourselves, and with one another. We thought we'd check out the local surf scene and test our gear. It actually took us a few waves to get used to the cold water. I still find east on the earth. On the way I can feel in the sky. Your lightning and smiling face. Please make her feel like
After driving north and thinking about the unknown, the weather got bad and we got stuck inside for a few days. Alors Lilou, qu'est-ce que tu fais? J'essaie de récupérer mes chaussures que j'ai fortuitement oubliées hier. Voilà. Pas la pêche à la chaussure quoi. La pêche à la chaussure. Une chaussure. La pêche est bonne aujourd'hui. Hein. Garder ensemble l'itinéraire et puis la route, faire les points avec la carte, entrer les points dans le GPS et aller trouver un endroit où on va pouvoir camper. Le saumon sockeye d'Alaska. On est tardé ça. Oh, moi aussi, me tarde. On devrait peut-être faire chacun nos portions, tu vois. Se les séparer, non? Mais en fait, il y en a 8. J'en ai mis 4 à côté pour toi. We started getting cabin fever as we were wrapping up the last preparations and waiting for the weather to clear up. Maybe did we start feeling a little nervous for the upcoming adventure? But luckily there is nothing like 36 degrees Fahrenheit water and gigantic snowy mountains to cool you down. Our expected weather window finally appeared. Time to pack the sleds and get on the skis. Action là? Ouais. Mais tu rigoles, il y a deux bagnoles qui arrivent. Le brouillard vient de se lever. Et la chaîne de montagne au-dessus du nuage en face, c'est la chaîne de montagne qu'on va longer demain matin. Donc avec un temps pareil, ça risque d'être une belle journée d'aventure. Lilou, les premiers pas à ski? Lilou sur les skis. Allez Lilou. Allez. My sled is 90 pounds and Vincent 130. Soon enough, my body understands what it means to pull that kind of weight. Une dizaine de kilomètres et je suis en train de me régaler avec ce petit saumon. Je ferais bien d'arrêter de filmer et de venir en manger un peu avant qu'il n'y en ait plus. Regarde comme ça rouge. On est toujours dans la vallée et en train d'apercevoir l'océan et puis on va commencer gentiment à redescendre. Le cadre c'est juste magique et puis voilà, on est tous les deux et Lilou elle est juste derrière, elle est juste là. Alors voilà la petite cabine où on va dormir. On avait un doute sur le fait qu'elle soit déneigée, on est bien content qu'elle soit déneigée. Je sais pas si on voit, mais il y a quelques mètres. Voilà. Et c'est bien magique. C'est pas exactement ce que je voulais. As we are slowly pulling our sleds across the valley, we discover the playground we've been dreaming of. The Greenland Sea, surrounded by a fairy snowy landscape, appears on the horizon line. Looking at the map, we'd imagine to set camp at the closest bay, but as we make progress, there might not be enough snow to access the beach with our skis. On est en train d'essayer d'aller à l'autre baie là. Et ça monte.
Lilou qui est passé en tête et qui fait du très bon boulot parce qu'elle s'est occupée de faire la trace dans un moment où on est en fin de journée et on a déjà pas mal brassé dans 2-3 difficultés aujourd'hui. Mais franchement, chapeau la petite. Tu vois le truc là-bas là ? Qui frisote blanc là ? Ouais. On pourrait effectivement prendre un billet d'avion, aller au bout du monde et puis surfer avec parfaite. Ben en fait, on a décidé de se charger 60% de matériel dans une luge et de tirer comme des mulets. Ouais, on risque de pas y aller parce que de toute façon c'est trop compliqué, mais... Situation incroyable, une journée de ski fantastique, le paysage est grandiose et on est arrivé à ski là où on voulait. Le riff, il n'y a pas de swell pour le moment, mais normalement on en attend pour les prochains jours. C'est magique, c'est magique. Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Mon poulet au curry après une super journée de ski. C'était cool, hein? C'était cool, car... Ouais, bien joué. C'était cool. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on n'arrive pas à capter le réseau. Dans la zone où on est, ce qu'on devrait faire en fait, moi je pense, c'est aller aujourd'hui, on va en reconnaissance un peu, voir s'il y a une vague au bout de la pointe, mm-hmm. Et en même temps voir si on peut attraper un peu de réseau pour avoir les prévisions météo. Je voudrais des vagues. Ouais, c'est vrai, on va les chercher. On va les chercher. Elles sont juste à côté. Tu les entends? c'est plus petit qu'hier, j'ai l'impression là, ou c'est pas la bonne marée? Ouais. Ça pète pas comme hier. C'est super bien. Toujours pas de réseau? Non, toujours non. Pas de réseau. Lui. Oh là là. Je m'attendais pas à avoir cette vue en fait d'en bas. Oh, c'est magique! C'est fou quoi! Bon, on le voit pas hein. Quoi? On a du réseau. Non! C'est vrai? Ouais. Sans rire? Sans rire. Hihi. Excellent. Bon, c'est cool. Apparemment, y a rien de méchant qui arrive, c'est ça? Y a de la pluie qui arrive un peu, du vent d'est comme c'était prévu avant, peut-être 10 mètres par seconde, mais c'est du plein est. Ouais. Donc ça va pas nous déranger. Tu vois, j'ai tous ces weather reports. Bien dans le dodo. Yes. Bien dans le dodo. Bonne nuit. Salut les loups. L'avantage quand on emmène des jouets, des tonnes de jouets, c'est qu'on s'ennuie jamais en fait. Donc t'as des plans tricot pour aujourd'hui, c'est ça? Ouais.
plein de tricots, donc voilà. Si tu veux, je peux te faire un bonnet. Ou un bonnet. On va voir à l'autre pointe s'il y a des vagues. Je suis à deux doigts de m'envoler avec la planche. On va refaire un point météo. Et éventuellement voir s'il y a une vague de l'autre côté, mais là on aperçoit et c'est ultra ultra venté. Le problème c'est qu'ici le swell il succède à un gros coup de vent, une grosse tempête, il dure pas longtemps. Et le truc c'est que nous on peut pas trop se permettre d'être là pendant une grosse tempête quoi. Donc c'est un peu contradictoire. Et bon, fallait essayer quoi. À descendre quand même parce que ce petit beach break là il avait l'air d'être pas vilain du tout et là je commence à avoir les papillons dans le ventre là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir s'en faire un petit truc, voilà. L'excitation monte, qu'est-ce que t'en penses? Quelle aventure, moi j'ai envie de dire, franchement. Si tu fais cette session lui, c'est magique. Don't you worry about a thing now, mama. What we'll say when we know our hearts bleed with mistakes. And I know this fear is real that you're saying goodbye. But I must choose dying to live over living to die. Mama. La vague? Ouais. Ouais, pourquoi? Comme cerise sur le gâteau. Exactement. C'est joli, cerise en plus. Ouais, c'est joli. Merci à toi, c'était magnifique. Merci. Je voyais ça, c'était super. C'était trop beau, on a trop de chance. Hein. On a trop de chance. Ouais, c'est vraiment, on a vraiment de la chance. Ouais. Ah là, faut serrer les dents un peu là. This is what makes us thrive. Moments of intense magic in deep connection with nature. Like diamonds in the jewel box of my memory. Their glow will never fade, and I will forever feel their thrill on my skin. Ça caille. Le soleil il est parti derrière la montagne. Voilà, je me suis enfilé le paquet de fruits secs, donc ça va mieux, j'ai moins faim. Et puis on va rentrer, et comme je suis vraiment une bille en ski, et ben ça va être assez long a priori. Et voilà, allez, à tout! Weather is on its way, and since the way back is nothing to be taken lightly, we agree to pack up the camp and keep the good momentum going. Ça va, petit chat? Ça fond, hein? Ça fond? Ça fond, ouais. C'est une position originale. Tu veux peut-être que je t'aide? Non, je vais pas en sortir, mais comme quoi on est mieux à ski. Hein. On entend toutes les petites rivières passer en dessous des. En dessous de la neige. Ouais, ça va parce qu'il n'y a pas trop d'eau quoi. Thank you.
tout ça, c'était couvert de neige. On sentait que c'était fragile, mais quand même, quoi. Et ensuite, la vallée qu'on va récupérer. On risque d'être soit un peu mouillé, soit de galérer un peu. Ouh, ça va, petit loup ? Cadre incroyable, super journée de ski. On est à une heure du refuge. En fait, le refuge il est à 1 km de nous, mais on a besoin de passer un pont là, faire un petit système de. Enfin, vite fait, une petite poulie pour descendre en fait les traîneaux sur le pont et après les remonter de l'autre côté. Donc, ça va nous prendre une bonne demi-heure et après on arrive au refuge. Donc, c'est génial. Et le temps, il fait vraiment beau et Lilo est en train de s'éclater dans le bas. Alors ça donne quoi, Lilo ? Ça m'impressionne un peu. Bon, on va y aller tranquille. On va se faire un bon relais dans la neige et on va descendre les trucs one by one. Cool. C'est en train de se former là. Le nuage est sérieusement en train de se former. Avec des petits yeux cruels, il nous regarde. Et il grossit. Et Lilou et moi se demandons à quelle sauce va-t-il nous manger. Ça y est, on est arrivé. Ben voilà, il commence à pleuvoir quoi. On a bien la chance. On a un bon timing quand même. Départ dernier jour. Vraiment Lilou. Ça perturbe quand tu me regardes. Ça y est. Allez, c'est parti. Being there and combining our worlds made for an even more intense journey, a journey made of love and passions. C'est magnifique. Ça fait du bien, juste un long effort comme ça, ça nettoie. J'ai plein d'idées qui passent dans mon esprit et puis qui vont, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai pas les mots pour l'expliquer, mais je pense que ça parle de soi-même. Gegen Klimaei, Gegen Blei, Gegen Klimaei.